Depuis le bord de la patinoire, une chose nous surprend. Malgré leur jeune âge, tous les enfants de cette classe ont un très bon niveau. Et pour cause, ils ont de l'entraînement. Quand tu es sur tes patins, qu'est-ce qui te plaît ? Aller beaucoup vite et beaucoup faire les petits tourbillons pour faire un peu mon malin, quoi. Comment ça ? Bah, j'aime bien faire un peu croire que je suis le meilleur, quoi. Un peu de la frime, alors. Ah ouais. On fait pas, on n'a pas peur d'aller dessus. Il y en a qui ont un peu difficile à trouver le truc, mais on a fait 5 semaines de rollers avant, donc en gros, c'est vraiment le même mouvement. On fait la chenille ou le train fantôme, des fois. C'est quoi le train fantôme ? Explique-nous un peu. Bah, on se tient et puis on va sur la glace. Tu n'es pas tombé ? Bah, si, quand même, quelquefois. T'as pas eu mal ? Non. Ça fait pas mal quand on tombe parce que on se retient avec les mains et ça fait moins mal. Pour faire bouger tout ce petit monde, il faut bien sûr du matériel. Un patin, ça s'entretient. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? Mais je suis en train d'affûter les patins, quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que un patin sur une piste synthétique comme on a, ça ne s'affûte pas de la même façon que sur une piste sur glace. Donc, il y a un affûtage spécial. On va faire un petit match de hockey. C'est pas la même chose qu'en roller, c'est encore moins stable. Donc, faites attention aux chutes, hein. Ça va ? Qu'est-ce qui est difficile dans le patinage ? L'équilibre. Là, ça va, tu l'as trouvé. Ah ouais. Ça t'arrive encore bien de te planter de temps en temps ? Ah ouais. Et alors ? Ça fait un peu mal parfois. Ça va, jouez. Va le gardien jaune. On peut jouer avec les pieds aussi ? Oui, pas de problème. Moi, je trouve que c'est un gros avantage ici. Ici, moi, je travaille à Récréal toute l'année. On a vraiment des opportunités. Je veux dire, je suis un prof de gym comblé parce que j'ai toute la nature. En été, on peut faire du kayak, on peut faire du VTT. Et je crois que les enfants à l'heure actuelle ont cette malchance d'être enfermés à longueur de journée. Et ici, ben, le fait de les faire bouger à l'extérieur, c'est très bien, surtout en hiver comme maintenant. Fin des activités pour notre classe. Vous pouvez par contre profiter de la patinoire du vendredi au dimanche, et ce, jusqu'au printemps.